Direction Venise. C'est sous le brouillard que nous arrivons à Venise. You're not coming home, we have to meet with you. You're not coming home, I dig my time with you. Visions on the TV crash my mind. The crash acts like a dog, I'm losing time. You're my sister, the tattoo on my skin. As you lead me underneath the stars. You're my sister, the tattoo on my skin. C'est une ville indescriptible. You build a neon castle with your eyes. Elle est à la fois grande, imposante et en même temps si petite, si douce. Du coup, là, on se rend dans notre Airbnb, on a laissé Tartine dans le parking en dehors de Venise. Et on va profiter pour mettre à charger toutes les batteries avant de repartir dans la ville. La ville est paisible et on peut facilement s'y perdre par toutes ces rues qui se ressemblent sans se ressembler, tous ces ponts qui se succèdent. La twist. Voilà, à la place Saint-Marc. Il y a des ruelles minuscules où tu sens les bonnes odeurs de pizza, tu sens des bonnes odeurs de fleurs sur les places, tu entends de la musique tout le temps. De ces ambiances à Venise qui est magique. Magique, certes, mais une ambiance quand même étrange. Étrange de voir toutes ces gondoles dépourvues de touristes, entendre facilement le clapotis de l'eau. Peut-être qu'il tourne plus. Dire qu'il m'aimait. C'est que mes amours en Italie. Il est pas, hein? Peut-être c'est pour ça qu'il est tombé amoureux. C'était paisible. Paisible, calme et dépourvu de touristes. Venise, c'est la ville où on a le plus ressenti l'impact du Covid sur le tourisme.
Les restaurants étaient vides, les serveurs debout à attendre le client, les gondoles vides, les ruelles très calmes, la place Saint-Marc en sourdine. La ville était à nous, plutôt sympa pour les photos, mais triste car dépourvue de vie et d'ambiance. Thank you.